Et salut à tous, c'est Goflet, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai une nouvelle vidéo assez spéciale sur Dominique, le maître d'armes vent que je vais te monter. Heureusement j'ai pas encore skill up. Donc du coup le mob a pris un buff qui était assez fort, où en gros les dégâts de son skill 3, donc son passif, qui était un hit supplémentaire à chaque fois qu'il faisait son skill 1 ou son skill 2, étaient des dégâts supplémentaires équivalents à 300% de son attaque, et qui mettait des 20k, 25k avec buff attaque quand vous mettiez en triple attaque. Et en fait, les dégâts étaient tellement insane que, comme tous, ont décidé de revenir sur leur buff en le nerfant. Donc là, les gars, on regarde un petit peu un petit replay de chez Zou qui nous montre justement la puissance de Dominique en full dégâts. Donc il a vraiment runé full attaque. Donc sans taux crit, sans DCC, vous allez voir les dégâts incroyables que le mob colle, c'est vraiment n'importe quoi. Vous allez voir de suite pourquoi, ce que le nerf est mérité. Hein. Donc là, il n'y a pas de buff attaque. Hein. Vous allez voir un petit peu les dégâts qu'elle va coller, c'est n'importe quoi. 13k à blanc, plus les 3 hits avant. Donc le mob va mettre un 20k à blanc, genre sans aucune condition. Les dégâts sont vraiment incroyables. Et là ici, deuxième cas de figure, là il est avec un buff attaque, vous allez voir les dégâts indécents qui va coller avec le maître d'armes vent, aka Dominique, c'est vraiment ridicule. Donc là, le buff attaque, et là regardez un peu les dégâts qu'il va mettre. C'est n'importe quoi, franchement, le nerf est mérité. En vrai de vrai, le nerf est mérité, le hotfix est mérité. Mais comme je vous dis, le map ne va pas être détruit, c'est juste que dans ce genre de situation, ce sera beaucoup moins joué. 21k. En tout, il y a 35k qui est parti. À blanc, à vide, comme ça. Tranquille. Pour un mob qui a un passif qui permet de sustain et d'absorber l'ATB, c'est quand même assez fort, quoi. On va pas se mentir. Donc la notice a pop il y a quelques secondes. Et voilà, donc ils s'excusent. Ils avaient l'intention d'apporter quelques dégâts supplémentaires au maître d'armes vent. Mais les dégâts étaient trop excessifs et du coup, ils vont réduire de 300% le bonus d'attaque de son passif à 200%. Alors, certes, ça paraît beaucoup, mais vous inquiétez pas. Pour moi, le mob va toujours être joué. Donc, si vous l'avez skill up, c'est pas un mauvais investissement. Je pense que c'est quand même un bon mob bruiser. Vous n'allez pas pouvoir spécialement jouer en cleave comme certains avaient commencé à le jouer. Mais je pense qu'en mob bruiser, il va rester extrêmement bon. Et moi, personnellement, c'est la façon dont je voulais le build ici à mon prochain FRR RTA. Donc, n'hésitez pas à tout de même le build. Et même pour le terrain d'occupation, ça reste extrêmement bon. Donc, vous inquiétez pas pour le nerf. Je pense honnêtement que ça va pas détruire le mob. Évidemment, il va perdre du potentiel forcément. Vu que vous enlevez 100% de coef en dégâts bruts, ça va quand même faire une grosse différence. Un petit peu comme Kaki à l'époque avait subi un nerf en urgence. Et bien ici, c'est pareil pour le maître d'armes vent. Mais voilà, vous avez vu que Kaki est resté good. Ici, on est plus ou moins sur le même scénario. Donc, vous inquiétez pas, le mob, si vous l'avez skill up, il sera toujours good. Et du coup, il y a une petite compensation. On va pouvoir aller ouvrir ensemble. Ils nous ont donné des petits vélins, des petits cristaux, voilà. Ça, pas bon. Ceux qui sont déçus, je s'imagine que ça ne sera pas suffisant, mais pour une personne comme moi qui n'ai rien demandé, honnêtement, moi, je le prends. Une petite invocation surprise. Puis peut-être une étincelle. Ok, pas de chance, pas d'étincelle. Voilà, les petits potes, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et ciao ciao, c'est Tito.